Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Itabafé. Je vous remercie d'avoir pourvu ma cassette vidéo dans laquelle je vais la recommencer, d'accord? Je vais la refaire. Leçon numéro 7. Dans tous les secteurs du combat. Leçon numéro 13. Attention, ça porte malheur. Face à une agression à main armée, la meilleure technique reste encore et aujourd'hui. La meilleure technique reste toujours le itatumi, itatakone. C'est vraiment trop con, Michael. Je t'avais dit de pas charger le flingue. Leçon numéro 14. Face au problème grandissant du manque de confiance en son bras et en ses pieds, ce qui est important, c'est de bouffer du poisson. Faire chier. Quand je prépare mon matériel. Pour me faire chier! Ah putain de câble! Je m'appelle Jérémy! Je fais de la musique pour les enfants! Ben c'est faux! Et le premier qui dit le contraire, je vous pète la gueule! Le hard rocker, il est flable. Il est pas flable. Le hard rocker, il est fiable, honnête et de confiance. Comme moi. Moi, je n'ai qu'une parole. Enfin, dans ma dernière chanson, je n'ai qu'une parole. Fais chier, t'es bonne. À propos de mammifères. Ça fait... Fuck! C'est ma première chanson. De mammifères, c'était Bibi Fuck. Fuck! Je vais la refaire tout de suite. Le vrai hardcore, c'est de savoir qu'au fond de toi-même ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. Bon alors, qui commence? Bon alors, qui commence? Wow, elle est vachement belle ta bite. C'est un souvenir de boîte. Wow, elle est vachement belle ta bite. C'est un souvenir de frère, vas-y. Waouh, elle est vachement belle ta bite. C'est tellement nul. Quand tu penses, ça passait à la TSR. Vas-y. Waouh, elle est vachement belle ta bite. C'est un souvenir de Bretagne. Elle va penser chaud, putain. Waouh, elle est vachement belle ta bite. Que ça va être dur. Quand t'enchaînes, c'est affreux. C'est affreux. C'est un moment pénible à vivre, mais c'est aussi ça, la télévision. Waouh, elle est vachement belle, ta bite. Ah, c'est monstrueux ce qu'on fait. On le fait? Non. C'est un souvenir de Bretagne. Un drapeau breton. Elle va porter chance à ma femme. Il y a une grosse corde autour. Ah ouais, et quand tu souffles dedans, ça fait de la musique. Waouh, elle est vachement belle, ta bite. Ok, concentre, on continue. Jusqu'à ce qu'elle s'abonne. Attends.
jusqu'à ce qu'elle s'abonne. Ça fait 15 fois qu'ils entendent que tu parles de ma bite. Ça fait... Non, c'est la TSR. Ah. C'est un film de boule. Parti. Fritz Wissau, Christel Hell. Je vois, moi des génies de bordel, je vais faire ça pour tout. Et des barres, je vais dire. C'est bon. Oui, c'est bon, Pierre. Pierre, maman. Ok. Petit stop. Petit stop. Robertao. C'est bon. Je suis là. Robertao. Robertao. Tango, non, 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 tenho um normal jumal. Um jumal chevalau. Tenho uma devida. É difícil, mano. Tenho um normal jumal. Jumal, chevalau. Je te tiens. Me donne. Tu achas de fodeste? Não sei o que de caramba, se tem hoje. Fodeste. Tá, mas tu só fodes, você tem uma dela, tu tens certo de x. Fodes, fodes. Tá, se é fodes, puta, Zé, todos os jogos são do Brasil, você está vendo, Jesus. Fodes. Tem uma coisa. Está tudo, Brasil, cheio de sabor, cheio de tudo. Fodes! Eu tô tudo caralho! Salut! Si toi aussi, tu veux comme moi, avoir du succès sur la plage cet été, alors achète un miroir. Ah! Vous étiez là? Maintenant qu'on a sculpté l'eau de corps, du corps. Parce qu'on m'a piqué ma réplique, donc je sais plus quoi dire. Un masque tout neuf. Non, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est pas Émilination. Qui est cette Émilination? Émilination, c'est ma cousine. C'est une vraie sœur. Bon. Avec mes règles. Je te tiens. Tu me tiens. Avec mes règles. Je te pose une question. Tu n'y réponds pas. Je te pose une deuxième question. Tu réponds à la première. Il faut 500 grammes de côte de bête, comme celle d'un chat par exemple. Ou celle d'un chien, ça va aussi. T'as regardé ça? Une fois que la côte de chat est prête, pardon, il est de tradition de... Avant de manger la ragouillasse, pardon, j'ai bavé, tu peux revenir vers moi. Quand j'ai une caméra, généralement, on fait pas de guitare. On filme. Merde, il y a plein de monde. En tant que fan de vélo, le sportif se doit d'être... C'est pas du tout ça, et je vais revoir mon texte. En effet, faites-vous du vélo.
Vous ne faites pas de vélo? Faites-vous du tennis? Non. Pourtant, vous avez un corps d'athlète. Oui, sans faire de sport actif. Alors que rien de tout, de la marche. Eh bien, vous avez exactement raison, il faut faire de la marche. Merci. Bonne journée. Bonjour à vous. Vous qui êtes spécialiste du... Parcours Vita, vous qui êtes spécialiste de la forme en été, profitez des Parcours Vita. Un parcours qui a été proposé, il y a de ça, fort longtemps, par... Hey ah, excusez-moi, je... Non, je... Salut Salut, vieille branche. Ouh, ça commence mal. C'est une blague digne de ces manches. Enfin, parlons parcours Vita. Alors, je fais, détrompez-vous les jambes. Tu as grandi, je fais, allez, on... allez, allez, oula, oula, ouais, oula, hop, ouais, ouais, il dit tout le temps ça. Bon, ok. Après un charmant petit passage en forêt, nous voilà enfin au moment tant attendu des barres parallèles. Et aux barres Oula, Jean-Marc a déjà pris de l'avance. Mais que fait-il? Mais alors Jean-Marc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, jolie barre fixe! Certainement pour faire des push-ups. Hop, oula, hop. Bon allez, on continue. Oh, c'est tout humide. Bonjour monsieur. Est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'on la garde? Mon patron m'a dit qu'on vous avait pété le foie. Je vais la refaire tout de suite. Oui. Oh. Oui. Excusez-moi. Moi, je se barre en couille. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça vient. Ça vient. Mmh. Ça vient, oui, ça vient. Ça vient, c'est de plus en plus. Ça va. Ça va faire, voilà. Vous savez, madame. Je vais devoir vous donner. On va la refaire tout de suite. C'est pas bien de casser son four. Aïe. Mmh. Aïe. Oh. Aïe. Non, madame. Bande de rire. Famille. Ah ouais, tu joues ta femme. C'est beaucoup pour un jeu de cartes. Tu fais encore plus con, parce qu'il va se coucher avec ta femme. Faut juste trouver une fille qui est d'accord de venir le faire. Va-t-il jouer un brelan ou un full? Il joue un brelan, puis t'entends juste derrière. Oh, en plus dans Black Me Play, le full. Oh, c'est dur ça, Johnny. Je vais devoir coucher avec ta femme. C'est encore plus drôle. Voilà, en fait. Désolé, Michael. Mais je vais me coucher avec ta femme. Approche, chérie. Je vais te péter l'anus. Vous direz que c'est ça qui s'est écrit. Je suis chauffeur de salle. Waouh. Je suis extrêmement respecté. Vous préférez ça? Quand tu veux. Évidemment. Tac. Hey. C'est moi le plus fort. Je peux aussi me retourner sans faire d'effets spéciaux. Je peux faire ça. On va le régler. Parce que je suis le plus fort. Je peux aussi me retourner sans faire des...
Du coup, j'ai pas de signe dans ce truc-là. Comment ça, c'est pas grave. Bravo. Ça t'apprendra, c'est le petit Jésus qui t'a puni. Génial. Parce que, tu chier. Pose pas de questions, t'es pas technicien. Václav. Václav, ça veut rien dire, on comprend pas ce que tu dis. Boric to Rodzidzucz. C'est pas du français, ça. Pas compliqué. C'est pas compliqué. On reprend, c'est pas compliqué. On comprend rien à ce que tu dis, Václav. Boric, Mouronic, ça veut rien dire, ça, en français. L'Union Européenne, mon cul, ouais. Bienvenue. Bonsoir à tous, et c'est chouette. Coupé. Elle est bonne. Regarde. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On regarde tout de suite. Super drôle. Catastrophique. Terrible. Et alors, votre colocataire décède grillé dans sa baignoire. Et alors, vous? J'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. C'est une histoire terrible. C'est une histoire terrible. On va oublier cette blague. Une histoire terrible. Jean-Claude. Mais c'est pas tout, hein. C'est pas... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous l'avez oublié. Bon. Allez, on commence. 5 grammes du visage. 5 grammes de la peau au visage. Maintenant, vous amis l'appellent Niki Loda. Oh, bonne blague. Voilà, mauvais goût. On enchaîne sur la ciseau de la cigogne. Une fois un autre de votre ami, de vos amis, de votre oui. Coupé. Tout de suite. Il y a un moment où il brille. Et il brocolait avec quoi comme un brocoli. Est-ce que vous mangez des brocolis? Il brocolait. Je veux qu'on mette ce mot dans le dictionnaire. C'est super joli. Il brocolait. Alors, Jean-Claude. Bah, et tout de suite, les images. Et qu'avez-vous fait du bras? Pas de chocolat. Et alors? Et ben là, en fait, c'est très intéressant, Jean-Claude. Ça suffit en même temps. Une question, Jean-Claude. Et alors? Faites-vous depuis un art martial? Pourquoi? Pour reconnaître les prises. Jean-Claude, ce n'était pas la dernière occurrence de vos maladresses. En effet. Quoi? Un ami. Il s'est jamais dit. Il s'est pas fait de parler. Jean-Claude. Mais le seul moment où je te laisse, il dit rien. En effet, une fois, dans la rue. Dans la rue, un ami marche. Oui. Il marche avec ses deux pas, par ses deux jambes. Mmh. Et soudain, par là, vous allez l'embarder. Alors, Jean-Claude, une question. Oui. Jean-Claude, ce n'était pas la dernière occurrence de vos maladresses. Une fois, Jean-Luc, dans la rue. Oui. Il est dans la rue, oui. Si tu voulais pas faire la blague, je vais pas. Je pense à autre chose. C'est une grosse erreur de français que vous avez dit et que c'est pas personne. Que si vous dites que c'est pas personne, que c'est pas français. Qu'il faut dire que c'est personne. Je suis super content. Je viens de m'acheter un... Oh, le mec à côté roule à la même vitesse que moi depuis le début du tournage. Et l'immeuble aussi. Un GPS. Et c'est vraiment... Je la refais. Petit bouche, c'est drôle.
Oh, je suis sur un terrain caillouteux. Le sale tournage. Elle est tournée là, elle est bonne. J'aime pas du tout mon nom. Bon, pour ton virage, je peux tourner à droite. Hein. Moi, je suis pas sûr. Que t'as le plan, il est tout pourri. Hein. Il a tourné à gauche. Hein. Oui, oui, oui. Eh ben, on va faire plusieurs, tu vas choisir. Bah, je suis pas très sûr parce qu'on. Je suis pas de Genève. Hein. Bah, je crois que normalement, il faut tourner à droite. Normalement. prochain virage de tourner à droite. Au rond-point, sortir la première à gauche. À droite. Pardon. Prochain. Ah ouais, non, hein. Je me suis trompé. C'est pas la bonne carte. On va faire une série. Si vous êtes piéton, vous pouvez aller tout droit, mais vous n'êtes pas piéton, vous. Non. Voilà, pas tout droit. oui, oui, c'est vrai, hein. On est perdu. Vous avez raison. Maintenant, c'est compliqué, hein. Que j'avais dit la page 4. La page 4, mais j'ai perdu. Hein. Faites vraiment une terrible erreur, madame, puisqu'en effet, avec ces superbes manettes en cuir de poussin véritable, vous avez une affaire extraordinaire. Je suis l'homme providentiel. Ah, il me suffit. Madame, vous faites une erreur, madame. Vous savez, madame, chaque modèle de manette... Vous savez, madame, le cuir de poussin de Norvège est un cuir extrêmement résistant. Faites pas d'erreur, chaque modèle a ses propres caractéristiques. Pareil, ça, c'est bon. Je m'appelle Abdul Klashni. Je sais tout ce que je dois dire. Je vais maintenant vous prouver mon talent, monsieur Stalkisk. En vous le prouvant de la manière suivante que je vais le prouver. Que bientôt vous saurez la preuve que c'est une preuve que je voulais prouver. Je vais recommencer. Je vais vous prouver qu'ils existent en vous disant que tous les putains de candidats vont répondre à sa putain de question. Vas-y, casse-toi, racaille. Je vais voir un pote. On va faire la fête jusqu'à 7h du matin. Putain. T'as un problème avec le télécode? Mais tu vois mon problème, là? Hein? T'as où le problème? Il est où ton problème? Dégage, dégage d'ici maintenant, dégage. Tu me pousses? Ah ouais, je fais semblant de faire punk. Ouais. Moi comme ça, je peux directement. Ah ça te fait marrer. Pourquoi rigole, chien? Il a un problème, chien, mais je lui bouffe la chatte. Bonjour. Action. Oui, mais regardez-moi qui veut. Dis donc, monsieur propre. Hein? Tu serais pas le garde du corps de cette espèce de tapette de Sarkozy, ça? Fais ta salakis, ça? Celui qui fait chasse et pêche, là, sur TSR3? Ça serait un truc comme ça!
comme un vrai, c'est... Deviens star, prends ton temps. T'es prête? Ouais, je suis prête, ma chérie. Vas-y. C'est beau, ça. C'est bon, c'est pas bon? Ah, c'est bon, c'est bon. Là. Bonjour. Tu connais? Bon, quand tu veux. Par exemple, là, le Farkis, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Un papier bleu ou un papier rouge? Oh, l'enfer. Bon, bah alors, je voulais remercier mes amis qui sont encore vivants. Il n'y en a plus qu'un. D'ailleurs, je viens manger à la maison ce soir. J'espère que tu as bien préparé à manger. Je laisse le mot de la fin à Jean-Claude. Vous pouvez saluer vos amis, votre famille. Bonne soirée. C'est bon, à la bonne, on coupe! Je peux pas saluer mes amis?